Est-ce que vous connaissez l'histoire du fantôme du château de Caen? En 2023, alors que des travaux d'aménagement avaient lieu dans le château de Caen, ils tombèrent sur des objets du passé d'une valeur historique inestimable. Alors, ils décidèrent de continuer à creuser pour pouvoir exposer au monde les richesses de notre patrimoine. C'était sans compter sur la présence du fantôme du château qui ne voulait pas qu'on touche à ce trésor. Je vous crois bien, hein ? Je parle pas comme ça, moi. Si vous continuez à voler ce que j'ai enterré, si vous continuez... À décreuser ce que j'ai creusé. Je vais vous faire à tous très peur. Est-ce que vous entendez ? Très. Ça va être horrible. Je vous préviens. Alors, il se mit à faire peur à tous les visiteurs du château, fermement décidé à ce que plus personne n'y remette un jour les pieds. Alors, les visiteurs désertèrent le lieu et les fouilles se sont arrêtées. Oui, et alors ? Bah, et alors, rien quoi. Le château a fermé et puis. On va pas pouvoir y aller, quoi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Rien, mais je leur ai dit que le château était fermé. Mais non, le château, il est ouvert. Ah. Mais oui. Ah.